Salut, salut. Salut à tous. Bon, bah, c'est parti pour les 100 ans. Ouais. Est-ce que cette journée va tenir cette promesse? On va voir ça. On va voir ça. Et puis, bah, vous allez découvrir ça avec nous. Et oui. Et il est quelle heure, là? 7h51. Bon, bah, c'est parti. Let's go. Chacun et chacune de merveilleux souvenirs liés à Disney, que ce soit au cinéma, dans nos parcs, ou même derrière et devant nos écrans. So today, let's celebrate all those wonderful Disney memories that we all have, and let's do it together. How does that sound?
and let's keep it going. Pour commencer bien cette célébration, merci d'accueillir. Please welcome la présidente de Disneyland Paris, Natasha Rafalski. For being here with us. Merci d'être là parmi nous. Nous sommes tellement heureux aujourd'hui de célébrer cette journée si spéciale avec chacune et chacun d'entre vous, les 100 ans de Disney. Merci beaucoup, Natasha. C'est vrai, nos Disney Volunteers, ce sont des cast members qui donnent leur temps libre pour apporter de la magie à ceux et celles qui en ont plus besoin. Du coup, Natasha, est-ce qu'aujourd'hui et maintenant, ce ne serait pas l'occasion parfaite pour les inviter à nous rejoindre? Absolument, Quentin. Je vous demande à présent d'accueillir 100 de nos volunteers. Please welcome 100 of our volunteers. On peut les applaudir très fort. Je me pose une petite question. On célèbre les 100 ans de The Walt Disney Company. Nous avons 100 de nos Disney Volunteers avec nous. Mais si je dis bien, nous n'avons que 8 de nos amis sur scène. I think you're right. We're celebrating 100 years of magic. But we only have 8 of our favorite friends here. Yeah. Natasha, do you think there's any way we can add some extra magic to this moment? I think I know a way to do just that. Aujourd'hui, je crois que tout est possible, Carmen. D'accord. How about we make it 100? Okay, yes. What do you think? Et si on appelait tous nos amis? Vous êtes prêts?
Bah là, on a vu la cérémonie d'ouverture, oui. Qui était très bien, franchement. Ouais, non, on ne demande pas plus. Hein. Ouais, franchement, c'était super. On a eu beaucoup de chance. Oui. Comme vous avez vu sur la vidéo, bah on avait une super place. Et littéralement, on avait le meilleur podium. Ouais. Parce ouais, qu'on oui, on était juste en face de nous. Bah, on avait le podium de Mickey Mini et puis bah, des ambassadeurs, ouais. Tout ça, machin. Et merci le Samsung en x10. Franchement, S23 Ultra. X10. Bah, à la limite, je voyais mieux sur le téléphone qu'en vrai. Donc, Bah, derrière, il y avait une dame derrière toi qui regardait ton téléphone parce qu'en fait, elle voyait rien. Bah, c'est ça. Voilà. Enfin, elle voyait rien en normal et du oui, coup, voilà. Elle regardait ton téléphone. Mais franchement, super. Quand ils ont lâché les 100 personnages, moi, j'ai eu des frissons. Ouais, la petite larme. Franchement, qui est sortie, moi, là. Alors, bon, moi non. Mais. J'étais là en train de te ouais. filmer. Je me dis, oh, non, on se retient. Mais moi, franchement, j'avoue que j'ai eu des frissons. Ouais, il y a eu un petit lancer de. De confettis ouais, avec les 100 ans. Ouais. J'en ai gardé là. Donc, après, petite photo avec Stéphane. Ouais, vraiment, il est adorable. Que ce soit en vrai ou ouais, en vidéo, c'est le c'est même. C'est un mec génial, franchement super. Ouais. Donc c'était bien cool. Et du coup, bah, on va vous dire un peu le programme. Bon, alors, c'est bien, mais y a pas, ça va pas être long le programme là, on veut, parce qu'il n'y a pas non plus une tonne de choses. C'est ça. Alors, dans le bon sens. Mais, comme je dis toujours, des fois, vaut mieux la qualité. Par rapport à la quantité. C'est ça. Alors donc, bah, à 9h30, donc il y avait la cérémonie d'ouverture. C'est ça. À midi et demi, il y a la préparade. Donc, bah, pareil, ça, on ne sait pas ce que ça va être. Hein. Non. Mais bon, on mais va s'il y a tous ça. Les personnages, ça va être énorme. Ouais. Donc préparade à midi et demi, et ensuite la... en milieu d'après-midi et en début de soirée, à chaque fois c'est pareil, et il y a une pause entre les deux. Ouais. Il y a des selfie spots. C'est ça. Au niveau de Castle Stage, ouais. Donc le petit théâtre là en face des passes, l'ancien bureau des passes annuelles, et rencontre personnage à studio. C'est ça. Donc on va essayer d'y aller aux mêmes horaires, hein, milieu ouais. d'après-midi et début de soirée. Ça, je me demande, ouais. Tu vas rencontrer qui? Ouais, bah on va bien voir. Et puis après, bah à 22h. Donc de ce qu'il y a écrit, ça serait après Dreams, après Disney Dreams, un hommage dans les étoiles. C'est ça. Donc une célébration des constellations. Moi, voilà. Ça donne envie. Hein. Donc et alors chose originale, apparemment, enfin ouais. De ce qu'il y a écrit sur le truc, ça va être donc en fait le spectacle va être joué en deux exemplaires. Ouais ouais ouais. Un studio après Avenger, Power of the Night. Oui. Et un au château donc après Disney Dreams. Mais je trouve ça bien parce que déjà ça divise un peu c'est le ça. Monde ouais, qu'il c'est y a. Pas, parce que clairement il y a énormément ouais. de monde. Ouais. Et pareil, si t'as pas envie de te taper 20 minutes de spectacle, bah clairement oui, parce studio, que... c'est plus court. Oui, et parce que et puis à studio il est plus tôt. Oui, en plus. 21h30. Nous, du coup, nous, on va le faire au niveau du château ouais. parce que, dans le doute, même si techniquement c'est censé être le même, oui, ouais. bah, devant t'as le château quoi. Voilà quoi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas la même saveur. Enfin, voilà, donc voyez le programme, voilà, en soi, une cérémonie d'ouverture, une préparade, des rencontres personnages, selfie spot, et puis le show le soir. Oui, voilà. Donc c'est pour ça, si c'était de la même qualité que ce matin, franchement, moi je préfère qu'il n'y ait pas grand chose, mais que ça soit. Taffé, bah oui, c'est voilà, ça. Plutôt que de mettre un milliard de trucs, comme par exemple à la soirée passe annuelle, clairement, le, tu vois, la recherche des artefacts, ça, je veux pas être méchant, mais ça, je trouve que ça a été bâclé. Ouais, je suis d'accord. Alors que par contre, la précédente soirée, même si ça prenait plus de temps, bah, clairement, les énigmes, là, il y avait. Bah, c'était sympa, quoi. Voilà. T'étais dans la recherche, c'était amusant. Enfin voilà. Ouais. Bon, et ben là, on va essayer de manger un petit truc. Ouais, parce qu'il y avait trop de monde tout à l'heure, on a attendu, parce que là. Ah oui, parce que du coup. Oh là là. Vraiment, là aujourd'hui, bah, je pense que c'est à peu près comme la journée des 30 ans, là, de dernier grand ouais. final. Il y a un monde de dingue. C'est une catastrophe. Il y a vraiment un monde de dingue, donc c'est compliqué, quoi, même pour manger quelque chose. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire, mais bah, la préparade, c'est midi et demi. Si on veut être pas trop mal placé, même si. Je pense qu'il ne faut pas s'y prendre trop tard, malheureusement. Voilà. Donc voilà. Bon, et bah, on se dit à tout à l'heure. Ouais, on va voir tout ça.
Donc là, on a vu la pré-parade. Ouais. Alors, autant ce matin, c'était super. La cérémonie, rien à dire. C'est ça. Grandiose. Là, par contre, c'était très court. C'est vrai. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'était pas ouf, hein, faut dire ce qui est. Non, ben, voilà. Ben, on a attendu littéralement une heure et demie pour ça. Ouais, donc, je suis pas du genre à critiquer, mais... Oui, la musique voilà. était sympa. La musique, j'ai beaucoup aimé. La musique était sympa. Par contre, c'est vrai que c'était court, en fait. Ben, là, ils ont littéralement pris un char des 30 ans qu'ils ont recyclé. Voilà. Et le problème, c'est que Mickey et Minnie, tu les voyais pas, quoi. C'est ça. C'était caché là-haut, je sais pas ouais, pourquoi. Ouais, non, j'avoue, ouais, c'était... Ouais. Oh, voilà. Donc là, du coup, on va aller voir... parce que ça commence bientôt, les selfie spots à Castle Stage. Et on va aller tout de suite à studio parce qu'il y a des rencontres personnages cet après-midi, comme ça sera fait. Bon, nous on va pas rencontrer les personnages, hein. Enfin c'est compliqué, mais on va vous filmer tout ça. Bon bah on va aller voir tout ça et puis on se dit à tout à l'heure. Ouais. I'm American made, but life's a delay. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed. It's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Là on est à studio, comme vous avez vu, donc on a fait le selfie point à Castle Stage. Ouais. Donc en fait simplement c'est... On est tombé sur Donald et Daisy. Voilà, c'est les personnages qui sont devant le logo des 100 ans. Mais j'aime bien le délire parce que si t'as pas envie de perdre une heure à te faire des photos avec le personnage, bah, oui. Tu vois quand même de loin. Oui, oui, après... C'est bien. En plus ils ont les costumes des 100 ans, c'est joli, voilà. Et ensuite en fait à studio, bah, il y a juste un point rencontre, c'est à côté de Together. Voilà. C'est sur la plateforme, bah, là où vous regardez Avenger, c'est studio Courtyard, là, un truc dans le genre. Et donc en fait il y a un point de rencontre et là, donc il y avait plutôt... Mini Mickey. Par contre, il y avait Mickey qui était tout seul aussi. Ouais. Donc c'est pas fifou quand même. Hein. Et par contre, là, faut faire la queue. Et quand on est arrivé, il y a écrit full. Oui, parce que là, c'est vraiment une rencontre, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est un mythe. Donc c'est joli, mais encore une fois, c'est pas fifou, quoi. Non. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais. Bah, je pensais qu'il y avait plus de personnages. Ouais. Donc en gros, c'est clair que si vous êtes un visiteur lambda qui suit pas trop l'actualité, clairement, vous venez sur le parc, on se rend pas compte que c'est les 100 ans. Enfin, non, voilà, c'est un peu dommage. Discret, quoi. Bon, après, il y a quand même un truc, étonnamment, ils à ont studio, fait l'effort, ouais. Voilà, au studio 1, là, à l'intérieur, il y a, donc à la place de la route, là, au milieu, entre les restos et les magasins, les boutiques, il y a un grand tapis qu'ils ont mis couleur argentée, brillant, voilà, avec écrit Disney 100 en plein milieu. C'est ça. Comme vous avez vu dans les images, hein, voilà, je vous l'ai mis. T'as pas l'émotion, t'as pas le... Bah, quand c'est Noël, tu viens sur le parc, tu sais que c'est Noël. Ah bah il y a oui. les musiques, il y a tout ça, machin. Ah, là, je veux dire, c'était une journée, ils auraient pu mettre le paquet, quoi. Mmh. Et autant la cérémonie d'ouverture était géniale, rien à dire. Ouais. Mais franchement, après, en fait, c'est allé en... Ouais, c'est ça. Donc après, il reste le spectacle ce soir. On espère que ça va relever le niveau. Ouais. Donc voilà. Et du coup, il n'y avait tellement pas grand-chose à faire qu'on a été voir enfin Together. C'est ça, on s'est dit, bah tiens, vu que de toute façon, la queue était complète. Ouais. Dit, on va faire Together. Et petit aparté sur Together, super, génial. Ah ouais. Et un michette, là. C'est ça, ouais. 20 sur 10, 30 sur 20. C'est enfin, ça. Vraiment, émouvement, non, émouvement, adoré. Pardon. Non, et puis le délire de l'orchestre en live, c'est vraiment magnifique. Oui, parce qu'en gros, c'est ça qui est impressionnant. En fait, on se demande même si c'est vrai ou pas, parce que les gars, il y a l'orchestre, donc il y a vraiment la guitare, la basse, la batterie, la trompette, le saxophone, la flûte, violon, il y a tout le piano. Et en fait, l'orchestre, ils enchaînent à une vitesse.
moi vraiment je dis bravo, vraiment, ouais. Et je comprends du coup pourquoi au début il devait y avoir certains bugs. Ouais. Et au final c'est pas plus mal de le voir maintenant parce que bah là, déjà, il y a moins de monde. Bah les gars ils sont rodés. Enfin, Et les filles ils sont rodés et en fait ils enchaînent ça à une vitesse, ouais. C'est super propre, c'est magnifique. Et franchement avec les effets visuels et tout, pourtant, c'est super. Je suis pas Pixar, hein. Ouais. Du coup bah il y a Toy Story, mais... Coco là-haut, Nemo, il y a Monstres et Compagnie. Bon, on a adoré tous les deux, ouais, vraiment, ouais, ouais. Plus qu'adoré. Oui. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, clairement faut le faire. Allez-y les yeux fermés, ouais. C'est ça faisait longtemps que vraiment j'avais pas eu autant de. Puis il y a des effets, il y a de la fumée quand, oui, vous êtes dans les nuages. Ouais, enfin, on va pas tout vous détailler parce que c'est vraiment c'est mieux d'y aller avec la surprise. Enfin, il y a des bulles, enfin, et vraiment c'est. Non, c'est top. Magnifique. Top. Donc voilà. Enfin bon, là aujourd'hui c'est les 100 ans, donc on va revenir sur les 100 ans. Là, bah, du coup, les rencontres, le point de rencontre et le selfie spot vont finir là. Ça va recommencer en soirée. À 18h. Ouais. Voilà, donc on va voir s'il y a d'autres personnages, on va vous filmer ça. Et on va retourner dans le parc principal. Hein. Et puis bah là, voilà, parce que là, du coup, on a fait notre petit tour à studio, et là, on va retourner dans le parc principal. Ouais. Voilà. Bon, et bah, on se dit à tout à l'heure. Continue. En génération, leurs héros sont devenus vos héros, et ces histoires sont à présent éternelles. Elles feront toujours rêver notre âme d'enfant et briller nos yeux comme les étoiles illuminent le ciel. Grâce à vous, le rêve devient réalité, et ce soir, pour vous en remercier, nous vous dédions ce moment de douceur et d'évasion. Du fond du cœur, merci. Petite journée, enfin grande journée, hein. Ouais. 100 ans, du bon, du très bon, du moins bien, on va dire. Un peu de tout, ouais. Voilà. On avait oublié de vous dire aussi, au niveau du merch, il y avait le pins spécial 100 ans au Waltz. Ouais. Il fallait manger là-bas, il fallait réserver. Il y avait le charme Pandora. Pandora, ouais, mini, 100 ouais, voilà. Au niveau de Ribbons, la boutique. Rupture des 11h du matin. Rupture des 11h du matin. Et il y avait la clé aussi. Ouais. Ça, parce qu'il fallait réserver. Ouais. Donc, faire voilà. Un ticket sur Internet avant. C'est ça. Concernant les selfie points et les rencontres personnages, donc à studio et à Castle Stage, en fait, c'était exactement la même chose que ce soit l'après-midi ou en début de soirée. Ouais, c'est pareil. Voilà. Donc, on a essayé les deux pour être sûr, mais ça va plus. C'est ça, rien de fichou. Dans le parc principal, c'était Tic et Tac. Avec Daisy et Donald. Exact. Et de l'autre côté, c'était plutôt Minnie, Mickey. Ouais, et à un moment donné, Mickey était tout seul. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà. Et puis après, bah, on s'est posé, alors... je vous dis,
la vidéo là du comment dire, de Constellation, en hommage à Constellation. Donc là vous avez vu des extraits. Je mets la vidéo en entier à part. C'est pas très long, non. Il dure quoi, 5 minutes. Profitez parce que on a littéralement campé pour avoir vraiment une des meilleures places, on va dire, hein, clairement, pendant 3 heures, bon, ouais. Pour ainsi dire. Voilà. On après, s'est on mis fatigué, à. Donc, bon, Ouais, mais quand même, ouais, ouais. On aurait été mis au chaud, quoi. Ah oui, c'est sûr. Donc, j'ai mal à la nuque, là. À partir d'à peu près 19h. Je suis déçu sans être déçu. Alors, voilà, on a adoré. C'était. La musique, magnifique. Voilà, magnifique musique, ouais. Émouvant, tout ça. Par contre, mince, quoi. Bon, il y a eu des feux d'artifice, mais ça aurait été bien que ça pète encore plus, quoi. Bah, tu c'est vois. Pas ça, c'est que tu passes de D-Light avec des drones. C'est ça. Et forcément, voilà, ouais, moi franchement je m'étais dit ils vont faire un truc avec des drones, ouais, genre écrit 100 dans le ciel, c'est ça, ouais. C'est ça, faire un délire justement avec 100 drones pour 100 ans, ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon. Bah, s'il n'y ouais. avait pas de délire de D-Light, ils m'auraient pas été déçus, forcément. Ouais. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait mieux pour le 14 juillet ouais. et pour le final ouais. des 30 ans. C'est ça. Et là, pour les 100 ans. C'est censé être un truc historique, quoi. Moi, j'estime que c'est au-dessus. Bah oui. Et 14 juillet, tu l'as chaque année. Bah, c'est ça. Les 100 voilà. ans, tu, l'as, ouais. tu les as plus, c'est fini. Bah. Enfin voilà, bon bah un peu mitigé sur la journée, elle avait très bien commencé. La cérémonie, franchement, rien à dire. Elle était parfaite. Ouais, voilà. On n'est pas en train de vous dire ouais c'était génial quoi. C'était voilà. magique. C'est... Non, c'était bien sans plus. Ouais voilà. Voilà. Bon, et bah sur ce, il on fait se froid, dit. Ouais, il fait très froid, ouais, il fait super froid. On se dit à la prochaine. Bah la prochaine, c'est simple, c'est le 31 soir voilà. Halloween. Notre première fois, le 31. C'est ça. Et entre temps, vous aurez semaine prochaine, parce que là j'ai pas mal à faire entre le vlog des 100 ans, le spectacle donc des 100 ans. Mais je vais vous sortir la vidéo du Santa Fe semaine prochaine. Mmh. Voilà. Entre les 100 ans et Halloween. L'hôtel. Ouais, voilà. Parce qu'on a fait le Santa Fe qui était très bien d'ailleurs. Mmh. Bon, bah allez, à plus. Salut. Salut.